notre truc. Salut à tous, c'est Nino et je suis ravi de vous accueillir ici dans la coloc fibrée de SFR. Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit? Eh bien c'est bien simple. SFR m'a pris cette magnifique villa équipée du sol au plafond de fibre. Ici de la fibre, il y en a partout. Dans ma chambre, j'ai de la fibre. À l'extérieur, j'ai de la fibre. Et même dans ma piscine, j'ai de la fibre. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est bien simple. SFR m'a demandé d'organiser des battles entre mes amis pour savoir lesquels d'entre eux allaient être les meilleurs colocs possibles. Je leur ai donc organisé tout un tas d'activités qui sont plus fun les unes que les autres. Le thème est le suivant, sport et détente. Sport pour eux, détente pour moi. Et aujourd'hui, je reçois Mademoiselle Justine Galis et Monsieur Alexandre Dossé. C'est parti. Et bonjour, salut Justine, bienvenue dans la fameuse coloc fibrée de SFR. C'est ici qu'on va se départager pour savoir lequel d'entre vous va être le meilleur coloc. Ici le code wifi et le cœur de la maison extérieur. Oh, c'est joli. Voilà, ça va être utile pour toutes les trucs qu'on va... Ah, rigolez, vous allez voir ce que je vous ai préparé, vous allez moins faire. Allez, chacun son tour, okay. Ok, c'est parti, je vous explique la première épreuve, elle va se dérouler en 3 temps. Vous allez devoir commencer par faire 700 mètres sur le vélo d'appartement. Pourquoi 700 mètres? Parce que j'ai réalisé un petit speed test pour mesurer la vitesse de la fibre de SFR en connectant mon ordinateur à la SFR Box 8. Et j'ai trouvé 698 mégabits de débit par seconde, ce qui est assez exceptionnel. Donc, comme vous êtes de grands costauds, je me suis dit, je vais arrondir à 700. Épreuve suivante, vous irez à l'intérieur de la boule. Vous traverserez la piscine le plus vite possible. Ensuite, vous courrez dans le jardin, vous terminerez par les structures gonflables et vous finirez par passer juste là-bas la ligne d'arrivée. Celui qui fait le moins de temps remporte l'épreuve et je rajoute une difficulté supplémentaire. Celui qui ne fait pas l'épreuve a le droit d'embêter l'autre avec deux objets qui sont juste derrière vous. Nous avons un pistolet en mousse et nous avons une fronde à bombe à eau. Ça vous va? Ouais, c'est parfait ça. Ouais. Bon. C'est parfait et c'est moins, donc normalement ça veut dire c'est moins parfait. Bon, mon pronostic pour la course contre la montre, il est clair, c'est Alex qui va gagner. Pourquoi? Parce que je leur ai laissé le droit d'embêter l'autre pendant qu'il fait sa course. Et je connais Alex, il va la pousser, il va lui faire des croche-pattes, c'est sûr, il va l'embêter au max. Top, c'est parti Justine! Et par contre, je bouge d'ici. Il a le droit Justine, il a le droit de tirer, il a le droit de tirer. Non, pas dans la tête, dans les fesses. Donc, reste tranquille. Et on en est à... 500 mètres! 500 mètres Justine, 500 mètres et t'as fait une minute! Allez, j'arrête. Une minute. Ah, oh, il est bon joueur. Il est fair play. Il est fair play. Tu n'as pas plus de cartouches. C'est vrai. 700 mètres. 700 mètres, Justine. Tu peux t'arrêter. Tu peux courir à la boule. Justine, c'est parti. Cours. À l'extérieur, trace à la boule. Oh, on a perdu Justine. Elle va bien. C'est l'aide, l'aide et tout. Allez, Justine, à la boule. À la boule, Justine. Le truc. Voilà, deuxième épreuve de la boule. Justine doit traverser la piscine. Alex a le droit de l'embêter. Alex, je vais même pas la toucher. Alex, pousse. Il a pas réussi à t'embêter, il a pas réussi. Ah non, arrête. J'adore ce tournage. Mais j'ai été coincée, moi. Elle est repartie là-bas. Arrête, allez, Justine. Justine, allez, plus qu'à mettre. Oui. Allez, Justine, allez. T'es libérée. Je tombe pas cette fois. À gauche, Justine, à gauche. Là, ici. Elle va vite, celle-là. J'en ai plus, t'as de la chance. Ah allez Justine, allez, dépêche-toi. Allez Justine. Ah, allez. Putain. Et... Stop, fin du temps. Ça va être la deuxième. De battre, je te le dis. C'est parti pour la deuxième série, c'est Alex qui s'y colle. T'es prêt? Ouais. Justine, t'es prête? 3, 2, 1. C'est parti, 700 mètres à faire pour Alex. Et je vais juste me décaler un petit peu, il est imperturbable. Aïe, quoique. Je crois que. Aïe. Ah, je sais où viser. Justine, il va falloir le perturber un peu plus, hein. Ouais, voilà. Oh.
Voilà, Justine. Justine qui n'hésite pas à tirer dans des parties un petit peu gênantes. Là, il aura fini avant, il aura fini avant, il aura fini avant. Il aura fini avant, il aura fini avant. Alex, t'en as combien? 700, 700, stop! Alex, tu peux courir, tu peux aller dehors! Et on peut remarquer un truc, c'est que Alex est plus rapide que Justine, mais moins rapide que la fibre de SFR, évidemment. C'est parti! Voilà. Justine, il faut le pousser, il faut le pousser, il faut le pousser, Justine. À la main, Justine, il faut pas qu'il touche le bord, Justine, il faut pas qu'il touche le bord. Justine, il ne touchera pas le bord, je te dis. Il touchera pas le bord, je te dis. Hamster, hamster, hamster! Par ici, par ici! Passe par la droite, passe pas! Oui, va la voie! L'arrivée, stop! Stop! Allez, c'est parti, sors, Alex, sors, cours par l'intérieur de la maison! Pour l'instant, on va pas se mentir, c'est Alex qui s'en sort mieux que Justine, mais on va voir sur la fin ce que ça donne. Est-ce que Justine va l'embêter? Est-ce que Justine va le laisser en paix? Vite! Il est balèze! Allez! Attention! Ligne d'arrivée pour Alex! Ok, bon, j'ai le temps de tout le monde. Attendez. Ah, je suis prêt là. C'est pas moi qui ai fait le temps, c'est pas moi qui ai fait ça. Justine a fait un temps de 2 minutes 58. Ouais. Et Alex a fait un temps. Mais alors, vraiment un temps très honorable, ouais. De 3 minutes. Je suis sûr. De 3 minutes 10. Justine remporte la première épreuve. Félicitations, Justine. Mais il y a eu de l'anti-jeu, Justine, je t'ai vu pousser beaucoup Alex, beaucoup. Moi, j'ai pas été aussi méchant. Deuxième qui épreuve. Aidé quand je... Exact. Quand je suis tombée, un gentleman perdant, comme on aime. Voilà, on passe à la deuxième épreuve. Alex, t'es sûr que c'est un repas de sportif, ça? Bah oui, évidemment, c'est plein de fibres, ça. Ah, c'est plein de fibres, de CFR. Les amis, sur cette deuxième épreuve, je vais tester votre réactivité. Pourquoi? Parce que la fibre de SFR est extrêmement réactive. Hein, c'est ce qu'on appelle le ping. Donc nous allons faire une épreuve de ping-pong. Voilà, bon, c'est un petit jeu de mots, il est là. Non, ça marche. Voilà. D'accord, on comprend. Qu'est-ce que le ping? Je vous explique. En fait, c'est ce qui mesure le temps que mettent les données à faire un aller-retour entre un appareil connecté et le réseau. D'accord? Quand j'ai fait la mesure, ça indiquait 8 millisecondes. Donc vous allez devoir renvoyer 8 balles dans le filet là-bas. Le premier de vous deux qui le fait avec le minimum de temps remporte l'épreuve. Ça vous va? Okay. Très bien. Eh bah écoutez, c'est parti. Bon bah là, il n'y a même pas besoin de faire un pronostic pour le ping-pong, c'est sûr, c'est Justine qui gagne. Parce qu'elle a de la finesse, si tu veux. Elle est rapide, elle est tac, elle est fine et espiègle. C'est parti. Super le bah ouais, ça fait flipper. Zéro. Toujours zéro. Toujours zéro. Toujours zéro. Toujours zéro. Toujours. Ça va être long, hein. Une. Une. Deux. Non, elle est pas rentrée. Si. Je peux pas la compter, elle est là. 3, 2, 3. On va monter un peu la vitesse. C'est un gamin. Hein? Quoi? 4. 4. Elles s'entrechoquent entre elles. On est toujours à 4. Ah, on va monter un peu la vitesse. Il y a eu 5, hein. 5, 6, 7, 8. Stop, arrête-toi là. Hey, c'est un gamin, c'est pas bien. On l'a monté un petit peu. On l'a monté un petit peu. Attention, c'est parti. Justine, 3, 2, 1, go. Allez, oh merde. Une. Elle en a mis une dès le début. On va t'aider. 2. Allez, Justine, c'est parti. Ça allait pas assez vite. 3. Mais quand même, hein. 4. Elle aligne. 4, 5. Non, c'est pas vrai. T'es un mytho. Elle a une. Arrête. Regarde, 5, elle est ressortie. Non, mais elle tape. 6. Elle triche, ça. C'est pas du vrai télé. Non, mais attends, tu fais quoi? Regarde ce qu'elle fait. Elle triche. Toute sa vie, ça suffit, la triche, Justine, ça suffit. 7. Oh, la tricheuse, mais t'es un tricheur. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai triché? 8. J'arrête. Alors là, bravo la triche. Oh là. Elle a le droit de rebondir une fois. Oui, là, elle rebondit et puis tu fais une tête et puis tu la renvoies ici, non? Justine, tu as fait un temps exceptionnel. Mais tu as fait 57 secondes contre 47 pour Alex. C'est donc Alex qui remporte. Oui. Arrête, t'es en train de jongler. Et ça, c'est normal de la même ça. Chose, vous avez vu la même chose. Mais c'est trop facile, t'es plus grand, ça va. Il y a une conjoncture avec ton bras. Il y a une conjoncture avec mon bras. J'ai l'impression d'être avec des enfants de 8 ans. Non, mais et qui emploient des mots qu'ils comprennent pas.
Conjoncture, situation qui résulte d'un ensemble de facteurs définis, concours de circonstances. Conjoncture avec un bras, ça n'existe pas. Après l'épreuve, il y a Justine qui m'a demandé si elle pouvait aller prendre une petite douche. Du coup, elle est dans la salle de bain. Et je sais qu'avec le contrôleur vocal, on peut contrôler les lumières de la maison. Viens, on va s'amuser un peu. Ok, SFR, éteins la lumière de la douche. Ça va, elle va se laver dans le noir, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, il y aura d'autres vidéos sur la coloc fibrée qui arriveront bientôt sur la chaîne de SFR. Moi, de mon côté, je dois choisir un coloc parmi vous deux, savoir avec qui je vais terminer mes vacances. Je voulais choisir Justine au début, mais j'ai vu à quel point t'étais une rageuse et je peux pas vivre avec une rageuse comme ça. Donc je vais devoir choisir Alex, même s'il il fait plus peur au début. Voilà. Et aussi parce que, oui, mais aussi parce qu'il est menaçant. Ah, donc, parce que je peux être très menaçante. Allez, restez tous les deux, ça vous va? Restez dîner, j'ai des chips, ça vous va? C'est bon? Pas de chips. Ah non, de la salade, avec des fibres dans la salade. À très bientôt tout le monde, merci d'avoir suivi cette vidéo, ciao.